Les Cambridges au complet. À quelques jours de Noël, le prince William et Kate Middleton ont dévoilé leur traditionnelle carte de vœux. Et comme toujours, le duc et la duchesse ont opté pour un cliché de leur famille au complet. Dans une ambiance rustique, on les découvre ainsi tout sourire, installés sur une botte de foin et devant des rondins de bois. Et pour leur looks, les Cambridges se sont une nouvelle fois accordés sur des tons marrons et des vêtements d'hiver. Et la princesse Charlotte était adorable. Et sur les traces de sa maman. Car comme l'a repéré le Daily Mail, la petite fille a chaussé une paire de bottes que Kate Middleton apprécie fortement. Assise sur les genoux de sa mère, elle était vêtue d'un élégant pull Ralph Lauren et de bottes Penelope Chilever à 259 livres, semblable à une paire portée par sa mère à plusieurs reprises. Car la duchesse est en effet une inconditionnelle de bottines. Elle possède notamment une paire similaire, signée Penelope Chilever, qui coûte la modique somme de 475 $. Mais fidèle à son goût pour le recyclage, ses chaussures sont entrées dans son dressing il y a déjà 16 ans, car elle les avait déjà chaussées au Blenheim Palace Game Fair en août 2004. Son aîné, lui, a opté pour une tenue à bas coût puisque le prince George portait une polaire regatta à seulement 12 livres qu'il avait accordé avec un pull bleu, comme son papa. Je pense que Kate et William ont habillé leurs enfants comme eux pour garder l'aspect et la sensation de la carte de fête, a expliqué la styliste Rochelle Wyatt. Les garçons, le prince George et le prince Louis, ont un look similaire à leur père avec le combo de tons terreux, pull et chemise. Les couleurs qu'ils portent complètent le prince William et le reste de la famille. Leur apparence et leur style les représentent. Et les filles de la famille ont également fait le choix de s'accorder pour leur carte de vœux. Kate Middleton, la colonne vertébrale de la famille, la princesse Charlotte a un look similaire à sa mère avec un pull et un jean. Kate a de nouveau choisi des tons complémentaires pour elle-même et Charlotte, ajoutait la styliste des stars. Et que ce soit par le biais de leurs vêtements et de leur posture, les Cambridges ont voulu démontrer une chose précise, l'unité qui règne au sein de leur petite famille. Pour l'experte en langage corporel Judy James, ce cliché est symbolique d'une famille liée et unique. Selon elle, cette photographie démontre également que Kate Middleton est la colonne vertébrale, William semble reconnaître que sa femme est son roc, se penchant vers elle, arborant un sourire avec sa lèvre supérieure serrée et un froncement des sourcils au niveau de l'arête du nez pour suggérer un plaisir refoulé d'être le supporté et le protecteur de son groupe familial. Parents fiers et comblés, le prince William et Kate Middleton ont également pris soin de placer leurs enfants devant eux car ce sont eux, les stars de leur famille. Times through the rough times I